Bonjour Déborah Bruchler, expliquez-nous ce que vous faites aujourd'hui à Roseur. Bonjour, aujourd'hui ou bien hier, avant-hier et demain, on a préparé un show avec mes chevaux. Jeudi, vendredi, j'étais à 2 chevaux sous la selle et aujourd'hui et demain, je serai à 5 cavaliers. Donc il y aura 3 cavaliers qui montent et 2 qui sont par terre. Et nous, on fait l'animation entre les grandes compétitions qu'on a ici parce qu'il y en a. Il y aura vraiment beaucoup de gens qui sont ici et je vais montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut arriver vraiment à faire avec un cheval parce qu'on a les chevaux qui se couchent, on a les chevaux qui sont assis, on a les chevaux même qui se cabrent, puis on fait aussi un peu le dressage classique comme la piaf, le trot allongé, le galop allongé ou rassemblé même. Et je voulais juste démontrer aux gens qu'est-ce que vraiment on peut arriver si on travaille la confiance entre un cheval et un cavalier. Et quand même, il faut voir, il y a beaucoup d'obstacles ici qui sont très très dangereux pour tous les chevaux. Mais quand même, ils n'étaient jamais ici, ils ont fait tout avec moi et c'est très bien. Et pour vous, le dressage, c'est un loisir ou c'est quelque chose que vous faites professionnellement ? On va dire que c'était toujours un loisir pour moi et les dernières années, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait des gens qui sont passés, venus me voir. Ils m'ont demandé « est-ce que tu peux travailler une fois chez moi avec mon cheval ?» Et maintenant, à partir du mois dernier, j'ai vraiment quitté mon job. J'ai arrêté de travailler, j'ai commencé à travailler à fond avec les chevaux. J'ai ma propre SARL et je vais apprendre aux gens qu'est-ce qu'on peut tout arriver à faire avec la confiance, avec les chevaux qui se couchent, qui ont la confiance absolue. D'accord. Et on peut voir sur les images que votre cheval est très très calme. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Non, mon étalon est venu à 2 ans et demi chez moi. Je l'ai laissé encore un peu jeune foufou et tout ça. Il était vraiment pas simple à gérer. C'était un étalon très fort comme il sent. Il est assez grand, il est assez costaud et tout ça. Donc j'ai commencé à travailler avec lui. Tout doucement, on est sorti en balade. Il a tout appris dehors. Donc on n'avait pas de carrière, on n'avait pas de manège ou quelque chose comme ça. Et avec le travail par terre, de s'allonger, de se coucher, il a commencé à me respecter, à trouver la confiance en moi. Et c'est vraiment lui qui fait tout avec moi. Donc ici, à 6 ans, de se coucher, c'est énorme. Je suis tout fière de mes chevaux, de tous mes chevaux qui sont avec moi. Parce que les 3 autres qui vont venir, ce sont des cavaliers qui sont entraînés par moi. Et ils sont venus avec moi et c'est pour eux aussi la première fois. Donc c'est énorme, c'est bien. Je suis tout content. D'accord, merci beaucoup Déborah. Merci aussi.